Cours numéro 5, anticorps et antigènes. Les classes d'anticorps. Tous les anticorps ont une structure centrale symétrique commune, de deux chaînes lourdes identiques liées de façon covalente et de deux chaînes légères identiques, chacune liée à l'une des chaînes lourdes. Les molécules d'anticorps peuvent être divisées en classes distinctes en fonction des différences dans la structure de leur région constante de la chaîne lourde. Les classes d'anticorps sont aussi appelées isotypes et sont nommées IgG, IgM, IgA, IgD et IgE. Chez l'homme, l'isotype IgG peut être divisé en 4 sous-classes ou sous-types, et l'isotype IgA en 2 sous-classes. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, les chaînes des molécules d'anticorps sont organisées en domaine immunoglobuline. Dans les anticorps IgE et IgM, les régions constantes de la chaîne lourde contiennent 4 domaines immunoglobulines en tandem. Alors que les régions constantes des IgG, IgA et IgD ne contiennent que 3 domaines. Les différentes classes d'anticorps remplissent différentes fonctions effectrices. La raison en est que la plupart des fonctions effectrices sont médiées par la liaison des régions constantes de la chaîne lourde au récepteur Fc sur différentes cellules et aussi par la liaison aux protéines plasmatiques. Par exemple, l'IgE se lie à un récepteur spécifique appelé Fc-epsilon récepteur, exprimé à la surface de certaines cellules comme les mastocytes, et induit des effets différents de ceux induits lors de la liaison des IgG sur son récepteur Fc-gamma récepteur, qui est exprimé à la surface d'autres types de cellules comme les macrophages. De plus, les IgG3, mais pas les IgE, peuvent fixer le C1q et activer la voie classique du complément. Chaque anticorps contient au moins 2 sites de liaison à l'antigène, chacun formé par une paire de domaines VH et VL. Les molécules d'anticorps sont flexibles, ce qui leur permet de se lier à différents réseaux d'antigènes. Cette flexibilité est conférée en grande partie par une région charnière située entre les domaines CH1 et CH2 et qui a une longueur variable entre les différents isotypes. Passons maintenant aux chaînes légères. Il existe 2 classes ou isotypes de chaînes légères, appelées kappa et lambda, qui ont des régions constantes carboxy-terminales distinctes. Chaque molécule d'anticorps possède soit 2 chaînes légères kappa identiques, soit 2 chaînes légères lambda identiques. Chez l'homme, environ 60% des molécules d'anticorps ont des chaînes légères kappa et environ 40% ont des chaînes légères lambda. Chez la souris, les anticorps contenant les chaînes kappa sont environ 10 fois plus abondants que les anticorps contenant la chaîne lambda. Enfin, contrairement aux isotypes de chaînes lourdes, il n'y a pas de différence de fonction connue entre les anticorps contenant kappa et les anticorps contenant lambda.